Aujourd'hui, l'accès à la mobilité est loin d'être un enjeu réservé aux grandes métropoles. Les solutions de transport sont en effet souvent plus rares en zone rurale. Le maire de Luitré-Dompierre, petite commune de 1900 habitants située en Ille-et-Vilaine, nous explique pourquoi il cherchait de nouvelles solutions partagées, accessibles et vertes pour faciliter les déplacements du quotidien de ses concitoyens. Nous avons imaginé un hub, une aire de service sur différents modes de déplacement et nous avons retenu Mobileye dans le cadre des déplacements pour aller vers les commerces et les service. Monsieur Bertel, l'un des administrés de la commune, nous fait part des raisons qui le séduisent dans ce nouveau service d'autopartage. Ma femme peut avoir besoin de notre voiture et moi-même aussi d'une voiture en même temps. Louer facilement et rapidement une voiture électrique répond parfaitement à ces différents besoins. On a pu installer l'application dans mon quotidien. J'utilise cette voiture pour aller faire des courses et sinon pour aller à Rennes voir mon fils. C'est en bordure de village qu'a été installé le pôle multimodal de la commune. On se trouve à présent sur l'aire de service sur la commune de Luitré-Dompierre. On y trouve une station de lavage, un espace de camping-car et des vélos électriques. Et ici, on trouve deux Zoé e-tech avec une borne ici dédiée à ces deux véhicules qui ont été financés par le fonds FEDER Leader. Les véhicules disponibles en autopartage y sont facilement identifiables et accessibles pour encourager une mobilité partagée et respectueuse de l'environnement. C'est un circuit en marguerite, c'est-à-dire qu'on revient au point de départ. Ces deux voitures sont louées via une application entre une heure et trois jours sur des tarifs qui comprennent la recharge électrique et qui permettent évidemment de déplacements vertueux sur nos campagnes.